nationale et internationale, mesdames et messieurs les leaders religieux, hommes d'affaires et membres de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Permettez-moi de prendre parole ce jour pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à cette séance de plaidoyer en faveur des malades atteints de la tuberculose dans la province du Kasaï oriental. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, fait partie des 30 pays qui portent le lourd fardeau de la tuberculose dans le monde. Elle est classée 9e dans le monde et 2e en Afrique par rapport à la prévalence de la tuberculose. Ça, c'est le rapport du Fonds mondial de 2018. En 2022, la RDC, notre pays, a notifié 202 147 cas de tuberculose sensible, parmi lesquels 22 342 enfants, 12 041 cas de tuberculose associés au VIH-Sida, 1023 cas de tuberculose pharmaco-résistant. Cette détection de la tuberculose est encore faible malgré les chiffres que nous avons avancés. Elle représente jusque-là 51%. Donc, comme qui dirait, tous les cas suspects possibles, s'ils étaient détectés, nous aurions pu avoir autant de chiffres allant au-delà de ce que nous venons de citer tout à l'heure. Au premier semestre de l'année 2024 en cours, la province du Kasaï Oriental, notre province donc, a déjà notifié 12 495 cas de tuberculose, toutes formes confondues, dont 1917 enfants, 187 cas de tuberculose associés au VIH et 187 cas de tuberculose pharmaco-résistante. Actuellement, notre province est vouée à cette grande difficulté. Elle devait en principe, tous les chiffres évalués, avoir 150 cas attendus pour toute l'année 2024. Déjà au premier semestre, nous sommes à 187 cas de tuberculose multirésistante ou pharmaco-résistante. Ça veut dire qu'il ne répond plus au traitement usuel de la tuberculose. Et de tous ces 187, 59 cas, soit 31,55%, appartiennent à la seule zone de santé des Zaba. La tuberculose multirésistante, donc, c'est la tuberculose qui ne répond plus au traitement usuel, qui demande de recourir à d'autres formules, à d'autres combinaisons, pour une durée beaucoup plus longue de traitement, avec ce que ça comporte comme ennui à la santé habituelle de tous les jours. La tuberculose multirésistante est liée au comportement de l'homme. Ça veut dire qu'il ne respecte pas le traitement, il interrompt le traitement, les prestataires ne suivent pas très bien le patient, les membres de la communauté et de la famille négligent les patients, il n'y a pas suffisamment de moyens pour faire le contrôle et peut-être se déplacer pour aller vers des contrôles. Et au finish, la personne quitte la première catégorie de traitement pour aller dans la catégorie de traitement de tuberculose multirésistante, qui est donc une tuberculose très compliquée au point que lorsque vous êtes atteint, en tout cas, beaucoup de chances de très peu de chances de survie, il faut un suivi particulier qui est différent du traitement habituel, qui peut se faire même à domicile pendant une durée bien déterminée. L'analyse de ces différents résultats montre que l'amélioration de la notification n'est pas assez rapide pour aller vers l'élimination de la tuberculose d'ici 2035 dans notre pays et dans notre province. Cette situation ne peut donc laisser
indifférent toute personne soucieuse de la bonne santé de la population. Raison pour laquelle nous avons voulu, ensemble avec ELNAC, ministère de la Santé, inviter tous les leaders, tous ceux qui décident de l'issue de leur survie et de la survie de la communauté, de prendre part à cette séance pour qu'ensemble nous puissions réfléchir qu'est-ce que nous allons faire pour sortir notre province de ce gouffre. Nous remercions particulièrement notre partenaire ELNA pour avoir, aux côtés de la Division provinciale de la Santé, du ministère de la Santé et des autres organisations, pu rendre possible cette séance. Excellence, la province du Kassai Oriental, qui est notre province, elle est placée en deuxième position par rapport à l'ordre d'importance après la ville de Kinshasa pour ce qui est du dépistage des cas de tuberculose. La tuberculose demeure toujours un problème de santé publique et ça concerne tout le monde. Entre autres, la communauté, la population spéciale, les décideurs, les leaders d'opinion, les partenaires techniques et financiers, les leaders religieux, les traqués praticiens, les prisonniers ainsi que les mineurs. Les facteurs qui favorisent la propagation de la tuberculose sont d'ordre multisectoriel, sans compter les obstacles et les barrières dans lesquelles est liée les difficultés au dépistage des cas. Il y a la vulnérabilité, il y a les contextes Covid, il y a genre et droits humains, sans oublier les VIH/SIDA. Et tout ceci entrave la prévention à l'accès aux soins de qualité dans les cadres de lutte contre la tuberculose. En octobre 2018, une réunion de haut niveau a eu lieu à l'ONU sur la tuberculose et à l'ANSI, de laquelle une déclaration politique mondiale a été signée par les 131 chefs d'État et de gouvernement, dont le thème fut « Unis pour mettre fin à la tuberculose ». Une réponse urgente, globale, à une épidémie globale. Les décideurs mondiaux, dont la RDC, ont pris des engagements pour mobiliser des fonds pour la recherche, des diagnostics, des traitements et la prévention de la tuberculose. Notre pays devra rendre compte à l'ONU sur les avancées réalisées de la tuberculose. Le pays qui a réalisé par les financements dans le cadre de lutte contre la tuberculose dans notre pays dépend encore à 90% du financement de lutte contre la tuberculose qui dépend de nos bailleurs de fonds. C'est pourquoi notre ONG, qui est la Ligue nationale anti-tuberculose et anti-leprose du Congo, elle n'a qu'un signe, est une organisation de la société civile depuis 1963, représentée dans les 16 DPS de la RDC, dont la province du Kassai Oriental.
Naël Enard est expert en plaidoyer et il fait le partenariat du programme national de lutte contre la tuberculose. Elle organise des sessions envers les décideurs à tous les niveaux du pays dans le but d'obtenir de meilleurs engagements de leur part dans la lutte contre la tuberculose. Tout ceci confirme que la réponse globale à la tuberculose doit aller au-delà des approches purement médicales ou uniquement de santé publique. Ainsi, le défi de la tuberculose est aussi politique pour espérer atteindre son élimination à l'horizon 2037. Excellence, pour votre information, la Ligue nationale anti-tuberculose est en ville de presse, la LNAC ainsi. Elle est à la base de la création des coordinations de l'EVRE et la tuberculose dans les provinces du Kasaï oriental et Kasaï central depuis des années 1997. Sous financement de l'Union européenne. La mission principale de la LNAC consiste à accompagner l'État congolais à travers son programme national de lutte contre la tuberculose et le ministère de la Santé dans la prise en charge communautaire des malades affectés par la tuberculose. Sur base des actions de prévention, avec l'encadrement de l'organisation des organisations à assises communautaires appelées les OAC, dont le travail consiste à la récupération des cas manquants par les investigations des sujets contacts autour des cas index, l'orientation des présumés et le suivi des malades suivis, et aussi à élaborer les messages et sensibilisation pour la communauté et organiser des séances de plaidoyer visant l'implication des décideurs dans la lutte contre la tuberculose en vue d'améliorer le financement du pays et les conditions de vie des malades tuberculés. Pour ce faire, la LNA Kasaï Oriental a réalisé déjà plusieurs plaidoyers avec des actions phares auprès de l'Assemblée provinciale, auprès de l'autorité du gouverneur pour l'obtention de l'inscription d'une ligne budgétaire devant servir à financer les activités de la lutte contre la tuberculose au niveau de la province. C'est le plaidoyer qui est en cours. Nous lançons encore à votre autorité de pouvoir nous aider pour qu'on puisse obtenir une ligne budgétaire au niveau de la province dans le cadre des activités de lutte contre la tuberculose. La tuberculose étant toujours d'actualité et nécessitant ainsi la mise à contribution de plusieurs et différents efforts afin d'aboutir à son éradication totale. Nous saisissons de cette opportunité pour vous impliquer dans l'action de plaidoyer dont la finalité est d'assurer un appui nutritionnel aux patients tuberculés par la coexistence de la ville de Rougemont. Pour votre information, un cas de tuberculose contaminait 10 à 15 personnes par an. Et ainsi de suite, ce qui rend la situation difficile à contrôler. Vous avez suivi le nombre de cas de la tuberculose multirésistance uniquement pour la zone de santé d'Enzao.
En face de ce tableau désastreux, les moyens de lutte contre la tuberculose, aussi bien financiers, matériels et logistiques, demeurent limités au niveau de notre province. Avec le risque d'avoir la tuberculose pulmonaire et surtout les cas de tuberculose multirésistance qui se propagent de façon spectaculaire. La tuberculose est une maladie infectieuse qui est associée à la pauvreté et à la sous-alimentation et une déficience immunitaire. Les 5 à 10% des personnes infectées qui développent une tuberculose active présentent un système immunitaire défaillant qui ne combat plus des infections, selon l'OMS. La malnutrition accélère le développement d'une infection latente vers une tuberculose active. La prise des antituberculés entraîne des freins chez les patients qui sont en train de prendre des médicaments. Ceux qui sont sous-alimentés se plaignent et abandonnent souvent les traitements. À cause de faim, à cause de malnutrition, ils abandonnent. En conséquence, il survient la baisse d'adhérence au traitement à cause de faim, à cause de malnutrition. Et un taux élevé de perte de vie. L'arrêt du traitement les expose au risque de développer la résistance contre les médicaments. C'est pourquoi le programme national de lutte contre la tuberculose inclut les actions visant l'établissement du bilan nutritionnel du patient, son soutien nutritionnel, l'éducation nutritionnelle et sanitaire tout au long de la prise des médicaments. Excellence, c'est pour cette raison, et surtout dans la logique des vont bien prévenir et guérir cette maladie thyroïdienne qui sévit dans notre milieu. Si la personne est malade, elle est capable de contaminer 10 à 5 entre personnes saines. Vous voyez les dangers que présente cette maladie. Et la maladie se transmet par la voie aérienne, c'est par respiration. Que la personne malade dégage maintenant les bacilles qui vont atteindre la personne saine à ses côtés par respiration. Et directement, si le système immunitaire de la personne est faible, et la personne sera contaminée. Mais les cas de figure ici, notre province regorge maintenant beaucoup de cas de tuberculose multirésistante. En d'autres termes, on parle de pharmacorésistants. C'est-à-dire, tu es malade, tu es sous traitement, tu ne guéris pas. Je suis en train de faire un effort pour expliquer dans les termes plus simples. Ok. Dans les termes plus simples, parce que tous ne sont pas du domaine médical. La chef de division qui a fait son exposé a parlé dans des termes peut-être que les autres n'ont pas pu comprendre. Mais aussi, notre frère qui vient de passer encore pour nous présenter les données statistiques, dans leur propre terme, dans leur langue médicale, peut-être nous n'avons pas pu piger quelque chose. Alors je suis en train
d'alléger un peu la compréhension des uns et des autres pour que vous compreniez pourquoi nous avons invité. Là, nous voulons dire ceci. Notre pays occupe déjà au niveau Afrique une certaine position parce que nous avons beaucoup de cas de tuberculose dans la population. Et au niveau pays, sur 26 provinces, la province du Kasaï oriental occupe déjà deuxième place. Cela veut dire que nous avons beaucoup de cas de tuberculose multiple résistante déjà dans notre province. La chef de division nous a dit tout à l'heure là, c'est une maladie, si nous ne tirons pas beaucoup d'attention, le malade guérit difficilement avec risque de mourir si la prise en charge n'est pas prompte et optimale. Et holistique aussi. Vraiment, que veut dire cela? Cette prise en charge exige non seulement les médicaments, mais aussi les aliments. Tu y mérites dans la ville? Ah. Je sens que Yachar dit. Il dit mon province est toi, Kasaï oriental. Il y a une zone de santé qui n'a pas été minitité. Malou, à propos de mon bidji, à dire tous les jeunes. Zone de santé, Wanzaba, mon ville, mon bouchma, mon bihé, mon yéyankaye, ou djinika, mon kumitité, mon isa. Il y a un mot où il dit ça, il y a un chadi, ou du kumbana. Kaji, zone de santé, Tendo constituído ainda ainda tu ouia cana, nem bato de tu puta cana não, nem bato de tua cana não, mo igreja, mo estado, como o dimo, cada tu ainda vai mandar o dinheiro que já botou, tu vai ainda dar mana, cada dia cada dia o dinheiro tu já ainda mo igreja, tu já ainda como o dimo, tu já ainda mo tisano, tu já ainda mo minha mãe onde tu tu irá mana o jogo ouia cana, mo mo nem mande de juí e a fangata que chega a charge. Bogo tujina kumwani kana tuchena unichaji chivoko kukonswe kuto tukaji ni forma wati sama ya chaji jijikanda manakumanga munu wanga tamanga kuyumvudi pato bakuhe shamano munda mwondu isatu isambu kuyumvudi pato ikengeda ni bakeba linye mungu wabu terapetiki wamanga matamba kuikala makolo alimokolo kushibe yekisha kibwaru kai tuliba mbikila tutuwa imi tuhamua tumwana mwakukeba chate tukweza sirtu mutu tuela jisala kujumfumwe tuwajitunga buwabionsi vijiweza mwakuheta mama ajakengela mwakukisha na kujisama ajachajiji kajiba kaji nikisha hajiba angatamanga kujibi ya uja kampa ande bijibike njigo ni bikada baja buwani bikuachisha manga kwa kumono mshundo kukuachisha mbijuwe nda kweli minani kushide kisha tujiba heta anaya mumanga mujima bela mujima futa mujibi ya kujibishile shilangana biji bamani ba maloko kona kwa mubiji bamana kulonga bajimu luleni muntu uju usama hajuu nukwama ikara uje bintu hivi kibolo kai tufani uwe mjede ujiba bikilani enna bobo aba
Nous sommes debout. Nous allons essayer de remettre le fiches des instructions pour que ceux qui ont des moyens sur place, donc quel que soit le volume de ce qu'ils ont amené, c'est quelque chose qui peut nous aider. Ceux qui n'auront pas de moyens sur place, ils peuvent souscrire, ils peuvent juste mettre le montant, nous remettre des fiches. Et nous, comme nous ne pouvons pas garder tout le monde après avoir déjà fait longtemps d'attente, nous ne pouvons pas encore les retenir. Et nous avons le devoir de pouvoir passer, soit dans les églises, soit à domicile, pour pouvoir recueillir ce que leur bonne foi aura prévu comme contribution personnelle à la santé de notre population. Je ne suis pas bouddhiste, je suis catholique, donc chrétien catholique et prêtre par-dessus le marché. Mais les bouddhistes parlent d'une certaine empathie. Ils disent ceci: ce que vous souhaitez de bien ou que vous faites de bien pour les autres, c'est ce bien-là qui vous retourne. Donc, le peu que vous donnez pour pouvoir aider ceux qui sont déjà malades, c'est bien qu'ils peuvent retourner aussi, et Dieu pourra vous aider à vous épargner d'autres maladies un peu plus graves qui pouvaient vous atteindre. Parce que vous avez travaillé pour aider ceux qui sont malades, en tout cas, l'Esprit de Dieu pourra travailler pour épargner la conscience de celui qui a pu donner quelque chose.